On a vu combien de familles d'aliments, les enfants. On a vu combien de familles? On a vu 5 familles d'aliments. La première famille, c'est la famille boissons. Bravo, Mohamed. Qui est principalement l'eau. L'eau. On a dit que l'eau, il est indispensable pour notre organisme. Il faut boire à volonté l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau dans la journée. On ne peut pas vivre sans eau. Il y a la famille des céréales. Bravo. Répète, Mohamed. Des céréales. Bravo. Qu'est-ce qu'elle contient, la famille des céréales? Du pain. Du pain. Bravo, Jout. Des pâtes. Et du riz. Et du riz. Bravo, bravo. Il y en a d'autres choses, mais nous, on n'a vu que ça pour l'instant. Il y a la famille des fruits et légumes. La famille des fruits et légumes. Qu'est-ce qu'ils contiennent, les fruits et légumes? Ils contiennent vitamines. Bravo. Famille des enfants. Du lait. La famille de lait est dérivée. Ça veut dire les produits qu'on les fabrique à partir du lait. D'accord. D'où vient le lait? De la vache. Celui qui veut parler maintenant, il va lever le doigt. D'où vient le lait? Est-il? De la vache. Bravo. Où vit la vache? Mohamed. Dans la ferme. Ok. Et on a dit que le fermier traite la vache pour collecter, pour récupérer le lait. Qu'après le lait, il part en usine pour fabriquer différents produits laitiers. Comme Jout, comment on appelle? Du beurre. Bravo. Et cela, Mel, comment on l'appelle? Fromage. Bravo, répète. Fromage. Bravo. Heidi. Comment on l'appelle? De la crème fraîche. Bravo. Et Sandra, qu'est-ce que c'est? Yaourt. Bravo, yaourt nature. Et cela, il est fabriqué avec un arôme à l'intérieur qui est la fraise, c'est un yaourt aromatisé. Donc, qu'est-ce qu'ils contiennent tous ces produits-là? Ils contiennent du lait. Oui, et le lait, qu'est-ce qu'il contient, Mohamed? Calcium. Bravo. Et on en a besoin de calcium pour Saïd. Vitamine. Non. Pour la force. Non. Comment, Aliwa? Pour la force. Pour les muscles. Pour les muscles. Pour les muscles. On en a besoin. Pour les muscles. Non, c'est pas pour les muscles. Bravo, Red. Bravo, Red Lies. Je connais. Samir, s'il te plaît. On en a besoin pour les os. Pour les os, pour la formation osseuse. C'est pour ça qu'il faut boire du lait, les enfants, le matin. Il faut manger des produits laitiers. Pendant le goûter, vaut mieux prendre un yaourt au lieu d'un chocolat, par exemple. Oui. Ou un gâteau. Oui. D'accord? La dernière famille qu'on avait vue, c'est la famille des viandes. Aïcha, je veux écouter Aïcha, moi. Viande. Hey. Bravo. D'où vient la viande, Zainoba? La vache. Ok. Elle vient du veau et de la vache. Et le poulet? Bissemir, d'où vient le poulet? Le poule. La poule. Ou le dindon aussi. Et le poisson?
Et à Sandra, d'où vient le poisson? Où on peut trouver le poisson, Essie? À la mer. Bravo, Essie. Et comment on pêche le poisson? Hé, dirai. La yesh. On lance le filet. Bravo, dans la mer. Et on pêche des poissons. Et l'œuf, d'où vient l'œuf, Hedirai? De la poule. Bravo, la poule, comme je vous ai montré, la poule pond des œufs. D'accord? La poule pond des œufs et couve ses œufs pendant à peu près 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, on aura des... Des poussins. Des quoi, Saïdi? Petits poussins. Des petits poussins. Bravo, bravo. Bravo. Et la famille de viande, poisson, œuf, elle contient... Qu'est-ce qu'elle contient? La protéine. Bravo, la protéine. Bravo, Ben Samir. Elle sert à quoi, la protéine, les enfants? Pour les forces. La force. La force. La force. La force. Elle sert pour le développement des muscles. D'accord, Mohamed? Hein? On en a besoin pour nos muscles. C'est pour ça qu'il faudrait manger dans la journée de la protéine. On va faire 2 groupes pour faire un repas équilibré. On va composer un petit déjeuner équilibré. Qu'est-ce qu'on peut prendre le matin? On a dit qu'il faut du calcium. Donc on prend du lait. Bravo, je prends le lait. Mets-le sur la table. Après, qu'est-ce qu'on peut prendre? Du fruit. Oui, bravo, Ben Samir. Tu as choisi un... Oui. C'est quoi? Kiwi. Qu'est-ce que c'est? Un kiwi, bravo. Essie, maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre pour le petit déjeuner? Un œuf. Bravo. Un... Bravo. Un œuf. Et Sandra, qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Pain. Bravo, viens, prends le pain. Et comme ça, on a composé un petit déjeuner équilibré. Bravo. Le repas de midi. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Pour midi, pour le déjeuner. Du poulet. Ok, du poulet, viens. Prends le poulet, c'est une source de protéines. On en a besoin pour les muscles. Et qu'est-ce qu'on peut prendre? Il faut des céréales. Qu'est-ce qu'on peut prendre, Mohamed? Des pâtes. Bravo. Prends l'assiette des pâtes. Bravo. Comme ça, on a un peu de sucre dans notre organisme. On en a besoin pour bouger. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre, Heidi, pour midi? Un produit laitier, bravo. Tu peux en prendre, oui. Mais vaut mieux prendre un yaourt nature, Heidi. On va changer. On va mettre un yaourt nature. C'est mieux pour la santé. Et après, Heidi, on va prendre... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme dessert? Un fruit, bravo. Oui, mets-le sur la table. Mets-le ici. Hop, et comme ça, on a composé un déjeuner équilibré. Bravo! Alors les enfants, maintenant, pour
Pour souper, qu'est-ce qu'on peut prendre? Le repas du soir. Bravo, Melk. Viens, cherche le riz. Bravo. Ici, mets-le ici, Melk. Mets-le ici, sur la table. Bravo. Avec le riz, qu'est-ce qu'on peut prendre, Zainab? Oui? Poisson. Bravo! Du poisson. Cherche le poisson. Bravo, Zainab. Kenza, qu'est-ce qu'on peut prendre aussi? Bravo, du fromage. Vas-y, cherche le fromage. Bravo. Bravo. Et donc, Aïcha, pour finir notre repas du soir, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Dis-moi, des fruits, bravo. Vas-y, viens, cherche un fruit. Et on peut rajouter des légumes aussi. Regarde, ils sont là, les fruits, Aïcha. Choisis un fruit et on peut rajouter aussi des légumes qui sont riches en fibres. Mets ici, Aïcha. Choisis un légume, Aïcha. Aïcha, Aïcha, ici, choisis un légume d'ici. Bravo. Et comme ça, on a composé un petit déjeuner équilibré, un déjeuner équilibré et le repas du soir. Bravo!